J'ai ce message pour l'un d'entre vous. Vos ancêtres me disent de vous dire ok. Je vais parler, je vais dire ce qu'ils me disent. Et si ça touche quelqu'un, c'est pour toi. Je sais que tu pleures. Je vois l'image en fait d'une personne. Ta mère est partie depuis, tu avais 5-6 ans. Et il y a des moments où tu restes comme ça. Tu pleures, après tu te dis si ma mère était là. Elle me dit de te dire que elle est avec toi. À l'instant comme tu penses à elle, écoute-moi bien, comme tu penses à elle maintenant, elle est avec toi. Tu as très souvent dit, papa, tu te retrouves dans des situations où tu as l'impression qu'il n'y a personne pour te défendre. On est venu, on a gâté ton mariage 3 fois. On t'a... Ta dot même on a gâté parce que tu ne connaissais pas les cérémonies que tu devais faire pour la dot. Tu t'es débrouillée toute seule. Et à un moment, tu es restée comme ça, tu as commencé à pleurer. Si jamais, si ma mère était là. Ce matin, je sens tellement l'amour de vos parents qui sont partis. Et ils veulent que vous sachiez qu'ils ne vous ont pas abandonné. Vous comprenez bien. Ils ne vous ont pas abandonné. Et il y en a parmi vous. L'instant où elle allait fermer ses yeux, tout ce qui faisait mal dans son cœur, c'est le fait de savoir que tu vas rester seule. C'est le fait de se dire que je vais laisser mon enfant seule, je vais la laisser à qui? Donc, là où elle est, c'est pas qu'elle souffre là où elle est, mais la séparation qu'elle a eue de toi brusquement. Tu devais l'appeler, tu as oublié, et puis 3 jours plus tard, on t'appelle, on te dit qu'elle est morte. Aussitôt qu'ils arrivent dans l'au-delà, aussitôt que leur esprit est quitté du corps, ces parents-là vous aiment tellement que ils sont revenus. Aussitôt qu'ils sont disparus là, donc genre ton père est mort, le premier endroit qu'il a cherché pour venir, il a localisé là où son enfant se trouve. Certains d'entre vous, vous avez appris à être un homme seul. Tout seul, tu as appris à être un homme. Ce n'est pas qu'il y avait quelqu'un pour te montrer que c'est comme ça, comme ça. Parce que ton père est parti très tôt. Très tôt. Si je peux accomplir quelque chose dans votre vie aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez savoir qu'ils ne sont pas. Il y en a même votre grand-mère, vos arrière-grand-mère. Parce qu'il y en a ici, vous avez grandi avec vos grand-mères. C'est pas ta mère qui t'a élevé, c'est ta grand-mère. Donc tu étais plus attaché à ta grand-mère que ta mère. Quand elle est partie, tu croyais que ton monde allait s'écrouler. Moi, ma grand-mère, c'est elle qui m'a élevée. On dit que sur son lit de mort, elle ne faisait qu'appeler mon nom. Et elle a fait 8 ans. Quand je suis partie à l'étranger, j'ai fait 7 ans sans venir au pays. La 8e année, j'ai eu mes papiers, 2 mois plus tard, elle est morte. En mourant, elle ne faisait qu'appeler mon nom. Elle ne faisait qu'appeler mon nom. Elle pleurait un peu. Et si vous ne
comprenez pas. Vous allez parfois rester comme ça, vous dire, ah, quand ma grand-mère est morte, je suis seule. Non, 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 non. Tu n'es pas seule. Tu n'es pas seule. Et c'est la conscience de sa présence qui active sa présence. Si on peut venir, on prend la Bible, on prend la communion, on dit qu'on appelle Jésus. Et on dit que Jésus dit que si vous vous ressemblez à mon nom, j'apparais. Pourquoi tu penses que si tu parles et tu penses à ta grand-mère, elle ne va pas aussi apparaître? Commencez à... Prenez-les comme des entités à part entière. Prenez-les comme des entités à part entière. Parce que ça leur fait mal de voir parfois tu regardes, tu pleures. Un truc se passe, tu dis, si ma mère était là, tu pleures. Et quand tu pleures, elle est en train de vouloir te dire que je ne suis pas partie. Beaucoup d'entre vous, vous devez agrandir leur photo. Vous devez avoir un endroit du salon ou de la chambre où vous avez mis une bougie que vous allumez de temps en temps. Vous avez mis la photo. Il y a des croix de Jésus dans votre maison, non? Vous mettez la photo en grand. Certains d'entre vous, vous ressemblez à vos mains comme deux gouttes. Donc quand on te regarde, on dit mince, tu ressembles à ta main jusqu'à. Ça va vous permettre de d'épurer la douleur. Certains, depuis que vous êtes parti adhérer vos grands-parents, vos papas, papa, maman, vous n'avez plus jamais parlé d'eux. Donc vous cachez seulement, vous ne voulez même pas. Mettez leur photo au salon. Ne pleurez plus quand vous pensez à eux seulement. Pleurez, pleurez. Non, non, non. J'ai quelqu'un qui est venu ici, là, je l'ai consulté. Après. Sa mère commence à parler. Maman, sa mère a commencé à me faire sentir l'amour qu'elle avait pour lui. Elle me montre comment quand il était petit, elle habille, elle met le manyanga sur son front. Franchement, c'est l'image que sa mère m'a donné. Comment elle fait, elle met lui sur son visage comme ça là. Ça brille. Elle porte son habit, elle met le job là comme ça là. Sa mère avait une affection particulière pour lui. J'ai même pleuré, j'ai senti l'énergie de sa mère jusqu'à. Ça m'a donné l'âme. Et depuis que sa mère est partie, sa mère est morte depuis 22 ans. Elle a 22 ans, dans l'an 2000. Et là où elle est là, elle a peut-être 38 ans. Donc imagine, tu es adolescent, ta mère meurt. Tu vas te sentir abandonné, tiraillé, rejeté. Tu vas chercher une identité et ton père lui-même qui vient de perdre sa femme, il pleure, il dit oh, il doit s'occuper de vous. Vous voyez un peu là, c'est le chaos. Dans ça, tu essayes de survivre. Tu caches la douleur dans ton cœur. Elle m'a montré comment, même pour voir là, comment elle lui montrait souvent ses leçons. Il étudiait souvent avec sa mère le soir. Elle m'a montré l'image, comment il rentrait le soir, elle était assise à la table avec lui pour lui répéter les leçons. Imaginez, elle est morte, ça fait 22 ans. Et 22 ans plus tard, elle est en mesure de ramener cette énergie et de me montrer. Vous pensez qu'elle est partie? Et le message qu'elle avait pour eux, c'est que elle travaille pour eux dans le noir. Genre, les gens qui se sont débarrassés d'elle. Les gens qui se sont débarrassés d'elle ont aussi fait des choses pour bloquer ses enfants, donc ce jeune homme. Et elle disait donc que elle est là, elle travaille derrière pour les protéger.
se passe dans le spirituel que si on ne t'annonce pas, tu ne sauras pas. C'est pour ça que quand Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, il te dit d'abord. Il envoie quelqu'un te dire. Vous m'entendez, non? Donc écrivez les noms de vos mères, de vos grands-mères, écrivez les noms ici-là. Ma mère, alors c'est grave. Quand la femme-là veut se pointer pour parler. Voilà, maman Anne. Bonjour la reine Ruth. Maman Anne, est-ce qu'elle avait... Maman Anne avait... Je la vois comme une maman très calme. Elle était toujours assise dans son coin. Elle aimait les foulards. Je ne sais pas si chez les foulards, elle avait les câbles. C'est bizarre. Dans Jacqueline, ta grand-mère. Meni Chumi. Ça devait être une femme de caractère, une femme très forte, Meni Chumi. Très forte de caractère. Elle n'abandonnait pas vie. Nomo Brigitte. Ton père Sopo. Ton père avait une notion royale. Très élégant. Il parle aussi très bien. C'est un fond orateur. Parce que... Grand-mère Jeanne. Papa Christian Sébé. Sophie Anne Baga. Il vous envoie beaucoup d'énergie, de la lumière. Et faites une sorte de table dans votre chambre où vous mettez leurs photos. Et si parfois quand vous passez, vous avez une idée, comme si quelque chose vous interpelle, arrêtez-vous, vous voulez regarder votre parler. Ça ne leur fait pas plaisir qu'ils soient partis et que vous les oubliez totalement. Mamie Antoinette, il y a des prières qu'elle a dites sur toi que certaines sont en train de se réaliser même maintenant. Kéma Jacqueline, elle aimait beaucoup donner la nourriture. Moutio Hélène, elle allait donc. Cody Penda, Olga Kessler, ils sont en train de t'assister dans ton travail. Olga, ils t'assistent dans ton travail. Beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de vous rappeler d'eux maintenant parce qu'ils sont en train de vous donner des messages. Ils sont en train de vous assister. Ils sont en train de s'unir. Je les vois en train de tenir leur main. Ils font un cercle autour de vous. Et ils me disent de vous dire qu'ils sont en train de vous fortifier. Ils sont en train de vous fortifier. Ils ne travaillent pas seuls. Généralement, quand vous voyez certains dans le rêve, ils sont avec d'autres personnes. Genre, d'autres, vous ne les reconnaissez pas. Mais ils sont ensemble. Ils sont en train de former comme un halo autour de vous. Ils vous protègent. Vous devez beaucoup taper dans cette protection-là. Donc, quand tu fais ça, ça va être difficile. Tu dis que j'appelle ma mère. Maman, aide-moi.
Mon foulard est bien noué, merci. C'est une maman qui m'a aidé à faire ça l'autre jour. J'étais en train de partir à un événement. Je n'avais pas cousu la mitaine de l'événement. Donc, comme j'avais acheté le panier de tissu, c'est la première fois que j'ai eu, comme si j'ai eu l'impression que c'était ma mère qui était en train de faire mon foulard. Ça m'a fait bizarre. Donc, elle m'a montré comment attacher ça. Je ne connaissais pas attacher le foulard. C'est une maman qui travaille avec moi. Et là, elle me dit, viens ma fille. Je quitte de mon bureau, je vais dans son bureau. Et elle coupe. Après, elle arrête, elle prend un pli, un pli, un pli. Ça m'a fait bizarre. Après, elle prend un mèche sur ma tête, elle me montre que tu fais comme ça, tu fais comme ça. C'est là aussi que j'ai cette sensation-là que c'est un peu comme si ma mère était avec elle pendant qu'elle attachait mon foulard. Franchement, c'était. Si vous ouvrez votre cœur, vous allez voir que vos ancêtres vont vous, ils vont remplacer leur présence à tout moment de votre vie. Tout moment. Souvent, tu ressens cela, quelqu'un va te donner de l'amour. Pour toi, ce n'est même pas ta tante, ce n'est pas quelqu'un de ta famille. Mais la personne va venir avec tellement d'amour pour toi. Tu sais pas le petit. On veut la reine Fatou. Ruth Sopon, paix à l'âme de ton époux, paix à son âme. Maman Doussou, papa Idrissa, paix à leurs âmes. Nous envoyons de la lumière à tous nos ancêtres et nous recevons leur paix, nous recevons leur protection. Nous nous ouvrons pour recevoir de l'amour, de la protection, de la direction. Nous ouvrons nos oreilles pour écouter quand ils vont nous parler. Et nous leur donnons accès pour qu'ils nous protègent, pour qu'ils nous guident. Nous marchons avec eux chaque jour. Nous décidons de ne pas les oublier. Nous vous envoyons de l'amour. De l'amour. Je sens tellement la présence de vos ancêtres. Je vous assure. C'est comme si je suis ici avec 50 000 personnes. Ça fait une puissance tellement grande. Je passais seulement pour donner le message. Parfois, quand vous levez à 4 heures, vous savez que ce n'est pas seulement dans le rêve qu'il peut vous parler. Non. Il fallait que je vous dise ça. N'attendez pas seulement dans le rêve. Parce que vous pouvez rêver de une fois par vous les 6 mois. Donc, pendant que tu fais ta prière matinale ou ta méditation, tu peux appeler, tu appelles. Tu prends un peu l'eau de Cologne là, tu mets ça sur tes oreilles. Tu respires l'autre. Tu appelles le nom. Et visitez leur tombe aussi régulièrement, s'il vous plaît. Ceux qui sont au Cameroun, si vous faites ça sur place ici, vous demandez qu'on donne à manger aux gens à leur nom. Reine Esther, je vais te bloquer. Tu as compris, ne t'inquiète pas. Je vois ton message. C'est la 15e fois que tu écris le message. Pas dans un direct ni deux. Donc, je vais te bloquer la dernière, la prochaine fois. Continue d'écrire. Si vous restez, vous ne voyez plus ma page, je vous ai bloqué. OK? Oui, qu'il continue de veiller sur nous. Nous recevons l'amour, nous leur envoyons de l'amour. Et nous éparpillons l'amour sur tout le monde entier. Ça te met comme dans une salle. Moi, ça, quand je suis. Quand je commence à communiquer avec les ancêtres, ça me met dans un état d'euphorie. C'est un peu comme si j'avais. Comme si je planais, comme si j'avais pris la drogue. Je sais pas. C'est le meilleur état d'esprit pour recevoir d'eux. Parce qu'à ce moment-là, tu n'as pas de résistance mentale.
quand tu vas écouter quelque chose, tu vas te dire, est-ce que c'est ma tête qui parle? C'est mon esprit, bien, c'est ma grammaire. Non. Tout ce que tu entends, tu dis seulement, ça coule. Donc, j'ouvre aussi les sciences de canalisation. Ceux qui veulent, vous voulez parler avec vos ancêtres. Ou ceux, ça peut arriver comme ça peut ne pas arriver. Donc, vous payez la séance et puis, très souvent, j'arrive à me connecter à l'énergie de vos ancêtres. Parfois, il y a un ancêtre que tu veux demander qui parle, mais je me connecte toujours aux énergies positives. Donc, si tu cherches celui qui était mauvais, je ne peux pas le trouver parce que mon énergie n'est pas négative. Donc, ouais, vous pouvez aussi faire ça. Mais déjà, il faut de vous laver au sel. Lavez vos sels d'abord. Sinon, vous n'allez pas pouvoir me parler. Il faut avoir des questions spécifiques. Vous allez leur demander en avance. Comme ça, quand ils vont venir, ils vont vous parler. Quand quelqu'un s'est préparé avant de venir me demander de me connecter à son ancêtre, c'est différent de quelqu'un qui est arrivé seulement comme ça. Et quand l'ancêtre commence à parler, si tu n'es pas réceptif, il va arrêter de parler. Il va te forcer pour que tu écoutes ce qu'il a dit. Donc, en fait, c'est ton esprit qui tire l'énergie de moi. C'est pour ça aussi que je prends beaucoup d'argent pour ça. Voilà. Ok, bon. Passez une très bonne journée. Ça, je ne le fais pas trop souvent. Parce que ça prend trop d'énergie. Mais je sais qu'il y a des personnes qui en ont besoin. Il y a des gens qui ont besoin de... Par exemple, j'ai une dame, une veuve. Ouais, son mari est mort, ça fait un an. Elle m'a contacté et quand on parlait, son mari a commencé, il voulait parler. Donc, il y a des cas comme ça, il y a des cas où on ne dit rien. Donc, ça dépend de votre disposition. Ok. Bon. Je vous souhaite une bonne journée. J'étais juste de passage, c'était pas nous en direct.